Nous entendons la parole du Seigneur dans l'évangile de Marc, au chapitre 5. Gospel of Mark, chapter 5. Nous allons commencer à partir du verset 25. On verse 25. Est-ce que tout le monde est là? Marc, chapitre 5, verset 25. L'Écriture dit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Read up to verse 34. Que le Seigneur bénisse avec lui sa parole. That the Lord be blessed in reading of his word. Vous pouvez vous mettre, frères et sœurs. Maybe seconds. Cette écriture, c'est une écriture que vous connaissez très bien. This is a scripture that you know very well. Amen. Amen. Et ce que nous voulons juste mentionner ici, what we want to highlight here, c'est la foi. Amen. It's faith. Amen. Amen. Nous voyons dans cette écriture, you see in this scripture, cette femme, this woman, qui avait la perte de sang, who had that issue of blood, elle est rentrée dans la foule, and she entered the crowd, amen, amen, parce que la Bible dit au verset 27, because the Bible says in verse 27, elle avait entendu parler de Jésus. So she had heard speaking of Jesus. Depuis qu'elle avait entendu parler de Jésus, since she heard speaking of Jesus, 27. Amen. Amen. Elle avait la foi. She had faith. Cette bonne nouvelle de Christ. This good news of Christ. Ce témoignage de Christ. This testimony of Christ. Avait fait quelque chose dans son cœur. Have done something in her heart. Depuis lors. Since then. Elle n'était plus tranquille. She was no longer quiet. Elle cherchait une connexion. She was seeking for a connection. Elle cherchait une occasion. She was seeking for an occasion. Elle s'est dit. Elle s'est dit, to herself, il y a beaucoup de gens. And so many people, je ne peux pas même pas lui parler. I cannot even speak to him. Mais je pense, but I think, que si je peux seulement toucher son vêtement, that if I can only touch his garment, je serai guéri. I shall be healed. Vous voyez que sa foi, you see that her faith, a créé quelque chose, something qui n'a jamais existé. That never existed before. Elle a résolu dans son cœur. She resolved in her heart. Que en touchant that by touching the garment of the Lord, elle sera guérie. She shall be healed. Amen. Amen. Et comme elle a cru ça comme ça, because she believed it that way, et cela est arrivé. It happened. Nous voyons comment elle est entrée dans la foule. We see how she entered the crowd. Elle a cherché à toucher le Seigneur. To touch the garment of et en faisant cela, and by doing this, le Seigneur Jésus sentit Jesus qu'une force était sortie de lui. Une vertu était sortie de lui. Et c'est cette vertu qui a guéri la femme. Amen. 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 Nous pouvons voir que Jésus pose la question. That Jesus is asking, qui m'a touché? Asking this question. Amen. Où touche-t-il maintenant?
Seigneur. Il y a beaucoup de gens ici. Oh Lord, there are so many people here. Tout le monde te presse là. Everyone you're pressing is pressing here and there. Et comment tu peux demander qui est-ce qui m'a touché? Le Seigneur dit non. The Lord said no. Quelqu'un m'a touché. Someone has touched me. Parce que ce n'était pas. Because it wasn't une simple. A simple main. Amen. Amen. Ce n'était pas quelque chose de naturel seulement. A natural thing only. Tout le monde peut toucher. Everyone can touch. Mais elle l'a touché de manière spéciale. Special way. En fait, ce n'est pas ses mains qui ont touché. It wasn't her hand that touched. Mais c'est sa foi qui a touché. It was her faith that touched. Amen. Amen. Alors, la question nous est posée. Now, the question is asked this evening. Depuis que nous avons entendu la parole, since we have heard the word of God, qu'est-ce que cette parole a fait en nous? What did this word created in us? Qu'est-ce que cette parole a créé en nous? What did this word did in us? Amen. Amen. Nous voyons que la dame, we see that the woman, a entendu parler de Jésus, speaking of Jesus, et elle a eu la foi. And she had faith. Ayant entendu parler de Jésus. Hearing, speaking of Jesus, c'est comme ça qu'elle est venue dans la foule. That's how she came in the crowd. Toi et moi. You and I. Nous l'avons aussi entendu. We also heard. Mais qu'est-ce que la bonne nouvelle de Jésus? Oh, what did the good news of Jesus? Amen. A fait dans notre cœur. Done in our heart. L'avons-nous touché par la foi? Have we touched him by faith? Est-ce que notre foi? Is it that our faith? A bousculé le Seigneur. Have moved the Lord. Amen. Amen. Est-ce que notre foi? Is our faith? A secoué le Seigneur. Our faith is shook the Lord. Est-ce qu'une vertu est sortie du Seigneur? Is a virtue came out of the Lord? Amen. 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 Alors nous voyons ici we see que elle a eu la foi. That she had faith. Et par rapport à sa foi, and le Seigneur dit, faith, ma fille, va, see. Ta foi t'a sauvée. Your faith has healed. Amen. Amen. Aujourd'hui, il s'agit encore de la foi. It's question of faith again. Amen. Est-ce que nous avons réellement la foi? Do we really have faith? Est-ce que nous avons réellement la foi? Do we really have faith? Ce soir, nous allons parler de la foi. Evening, we're going to speak of faith. Et de l'amour. And love. Amen. Amen. Ce sont ces deux choses qui nous manquent. There are those two things that are lacking. Amen. Amen. Nous pouvons le remarquer dans notre vie. In our life and everyday's life. Amen. Amen. Est-ce que nous avons la foi? Do we have faith? Nous avons vu que tous les héros de la foi, we have seen that all the heroes of faith, par la grâce de Dieu, by the grace of God, la parole a produit la vie. The Lord has produced life. Tous ceux qui l'ont touché réellement, all those who have touched him really by faith, leur vie a changé. Their life has changed. Et cette vie, quand elle change, and when this life changes, amen, amen, l'amour s'installe. And amen. Love is installed. Parce que, because, voyons les Saintes Écritures, we see in the Holy Scripture, que la foi est agissante. That faith worketh by love. Amen. Amen. Quand nous avons la foi, when we have faith, alors nous avons l'amour. Therefore, we have love. Parce que l'amour de Dieu, because the love of God, va travailler. We will. Amen. Nous voyons cette dame, we see this woman. Sa vie a changé, sa maladie s'est arrêtée. C'était à l'instant T. It was instantly. Amen. Amen. Et le Seigneur a senti. And the Lord felt que quelque chose était sorti. He felt that something came out of him. Est-ce que vous et moi, tels que nous sommes, and you and I, as we are, avons-nous déjà arraché quelque chose? Taken away something from the Lord? Amen. Amen. Avons-nous sorti une certaine vertu? Have we made some virtue to come out of God? Ça c'est la question. This is the question. Chacun devra répondre. That each one of us must answer. Amen. Amen. Nous allons prendre Luc chapitre 18. Luc 18. Et le verset 18. Verse 18. Nous ne serons pas longs ce soir. We'll not be long this evening. Mais je voudrais qu'on passe beaucoup de temps dans la prière. We like us to spend more time in prayer. Amen. 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 Nous sommes dans Luc chapitre 18. In Luke chapter 18. Le verset 18. 18. L'Écriture dit. The Scripture says. Un chef interrogea Jésus et dit. And certain ruler asked Jesus, saying. Bon maître. Old master. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? What shall I do to inherit eternal life? Jésus le répondit. And Jesus said to her, pourquoi m'appelles-tu bon? Why callest thou me good? Il n'y a de bon que Dieu seul.
Amen. And only could save one, that is God. Une simple précision ici. This is the only precision. C'est que quand le Seigneur dit, when the Lord say, personne n'est bon. None is good. Il n'y a que Dieu qui soit save bon. Save one, it's only God. Parce qu'il était venu en tant que serviteur. Because he was as a servant. Et en tant que serviteur, and as a servant, c'est Dieu qui est bon. And God who is good. Amen. Amen. Et en tant que berger, well, as a shepherd, dans Jean chapitre 10, in John chapter 10, il dit que je suis le bon berger. He say, I am a good shepherd. Là, il est en tant qu'un bon berger. There is pastor, as a good shepherd. Il reconnaît que pastor, je suis le bon berger. He recognizes that he is a good shepherd. Mais ici, en tant que serviteur, oh, he has a servant. Amen. Amen. Il donne cette place à Dieu. He give this place to God. Alors nous continuons de lire. And we continue reading. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point adultère. Thou knowest the commandment, do not commit adultery. Tu ne tueras point. Do not kill. Tu ne déroberas point. Do not steal. Tu ne diras point de faux témoignages. Do not bear false witness. Honore ton père et ta mère. Honor thy father and mother. Je dis-t-il. And he said, observez toutes ces choses dès ma jeunesse. All this have I kept from my youth. Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Amen. Now, when Jesus heard this thing, he said unto him, yet lackest thou one thing. Vends tout ce que tu as. Sell all that thou hast. Distribue-le aux pauvres. And distribute unto the poor. Et tu auras un trésor dans les cieux. And thou shalt have treasure in heaven. Puis viens et suis-moi. And come and follow me. Lorsqu'il entendit ces paroles, and when he heard this, il devint tout triste. He was very sorrowful. Car il était très riche. For he was very rich. Jésus voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile. When Jesus saw that he was very sorrowful, he said, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses. How hardly shall they that have riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Enter into the kingdom of God. Car il est plus facile à un chameau, for it is easier for a camel, de passer par le trou d'une aiguille, to go through a needle's eye, qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Than for a rich man to enter into the kingdom of God. Amen. Amen. Alors, nous voyons dans cette écriture, we see in this scripture, le Seigneur montrer l'amour du prochain. Lord, the Lord showing the love of a neighbor. Tout ce que Jésus a voulu dire à ce monsieur, what all that Jesus wanted to tell to this man, tu observes la loi, is that he observing the law. Normalement, tu devais avoir la vie. And you have had the law, life by the law. Tout ce que tu as fait ça depuis ta jeunesse. And since you've been doing this since his youth, tu dois avoir la vie. He normally would have had life. Mais il était lui-même convaincu. Well, he was himself convinced that he did not have eternal life. Il est venu vers Jésus. And he came to Jesus. Maître, bon maître, good master, what shall I do to have to inherit eternal life? Conviction. Because he didn't have the conviction. Malgré la loi qu'il observait. Despite the law that he was observing, that he did not have eternal life. Amen. Amen. Et Jésus lui dira. And Jesus told him, il te manque quelque chose. You lack one thing. Va. Go. Vends tout ce que tu as. Sell all your belongings. And give it to the poor. Viens et suis. And come and follow me. Jésus voulait lui montrer. Jesus wanted to show him the love of the neighbor. Ce que tu as, what you have, donne ça aux autres. Commence à vivre pour les autres. And think of living for the others. Amen. Amen. Viens et suis. And come and follow me. Il était triste. He was sorrowful. Parce que on avait touché son mal. Because they have touched his illness. On avait touché son point. They have touched his wicked side. They have touched his trésor. They have touched his treasure. L'Écriture dit, the scripture says, là où tu trouves ton cœur, where your heart is, là où se trouve ton trésor. And that's where your treasure is. Et la question nous est posée ce soir. And the question is asked of us. Tu es ton grand trésor. What is your greatest treasure? Amen. Amen. Où est-ce que tu mets ton cœur? Where do you put your heart? Est-ce que ton cœur, is it in your heart? Est pour vivre pour Dieu? Is it that in your heart you live for God? Ou pour vivre pour les autres? Or you live for the others? Ou tu cherches toujours ton intérêt? Or you always seek your proper interest? L'amour, c'est vivre pour les autres. Love is living for the others. L'amour, love, c'est apprendre à se sacrifier. Amen. It's first sacrifice. L'amour, love, c'est se supporter.
is to support one another. Ce stage, if those who will not reach that stage, on ne connaît pas la chrétienté. We know not Christianity. Yes. C'est pourquoi nous parlons de la foi. That's why we speak of faith. Et de l'amour. And of love. Ces deux choses maintenant doivent aller ensemble. Must work together. Si nous n'avons pas ça, if we do not have this, cherchons cela dans la prière. Let us spend this in prayer. Dieu est le donateur. God is the giver. De tout don excellent. Of all exceeding good gifts. Notre Seigneur revient bientôt sur terre. The Lord is returning soon. Nous n'avons pas besoin de revenir sur ça. We do not want to come back to this. La vie elle-même parle. The life itself is showing it. Prophétie parle. Prophecies are speaking. Amen. Amen. Tout ce que nous avons tout autour de nous. All that we have all around us. Les actions que nous voyons, ça parle. All those actions that we see speaks. Maintenant, il est question. Now is it question que chacun s'examine. Each one may examine themselves. Pour voir si on a réellement la foi. If we really have faith, firstly. Avons-nous entendu parler de Jésus? Have we heard speaking of Jesus? Si c'est oui. If it's yes. Qu'est-ce que cela a provoqué dans notre âme? What did this provoke in our soul? L'avons-nous cherché? Have we seek him? Amen. Amen. Pour que cette incrédulité qui nous habite, this unbelief that dwells in us, puisse partir. Should go. Ça c'est une chose. That's one thing. L'autre chose. The other. Comme ce homme riche. He has this rich man qui vivait la loi. Who was living the law. Comme nous aujourd'hui on dit, je suis dans le message. And as we also say, we are in the message. Je connais telle prédication. I know this. Sermon. Amen. Amen. J'ai entendu telle prédication de Frère Branham. I've heard this sermon of Brother Branham. Le Frère Frank. Or Brother Frank. Je fais ceci, je I'm fais cela. I'm doing this, I'm doing that. Amen. Amen. Mais est-ce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs? Is the love of God shared abroad in our hearts? Amen. Amen. C'est la chose la plus capitale aujourd'hui. That's the most important thing today. Cherchons la foi. To seek faith. Cherchons l'amour. And love. Amen. Ce sont ces deux choses. Those two things. Parce que vous avez remarqué une chose, we notice que même les disciples, that even the disciples, étant avec le Seigneur, being with the Lord, il y a eu un moment, it was a time, amen, amen, ils ne croyaient toujours pas. They did not believe. C'est-à-dire que l'incrédulité, that means unbelief, c'est quelque chose de très fort. Is something very strong. Mais Jésus a vaincu l'incrédulité à la croix. Jesus overcame unbelief in the cross. Maintenant nous avons accès au sanctuaire. And now we can enter the sanctuary. Amen. We have access. Ce qui n'était pas permis hier, aujourd'hui, what was not permitted yesterday, today is permitted. Si nous avons allowed. If we have faith. Amen. Amen. Nous pouvons voir qu'un jour, we can see that one day. Les disciples sont venus. Un homme est venu avec son fils malade. Someone came with his son ill. Amen. Amen. Demandez aux disciples du Seigneur. Asking to the disciple, to the disciple of the Lord, he asked de prier. To pray. Pour son enfant qui avait for his sick son. Amen. Amen. Mais nous voyons que les disciples étaient incapables. But we saw Amen. That the disciples were not able. Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Ils n'avaient pas fait suffisamment de foi. You don't have Amen. Enough faith. Mais le Seigneur nous montre. And the Lord shows us. Amen. Amen. L'Écriture dit qu'il a, il leur a recommandé à cause de leur incrédulité. Demanded them because of their unbelief. Jusqu'à quand je vais rester avec vous? When will I be with you? Amen. Amen. Il appela l'enfant. And it called this guy. Il menaça le méchant. And chased out the wicked spirit. Et l'enfant était guéri. And Amen. The child was healed. La foi vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Faith comes by the word of Christ. Amen. Quiconque croit cette parole de Christ, whosoever believes this word of Christ, amen. Amen. God will give faith. Parce que la parole en elle a la vie. Because Amen. In the word itself there is life. Cette femme a entendu parler de Christ. And this woman heard speaking of Jesus. Elle a une foi. And she had elle faith. Cru. She believed. Amen. Amen. Et quand elle croit, and when she believed, il y a un fruit. And when you believe, there is c'est qu'elle est guérie. And that fruit heals. Ah. Elle a reçu la vie en elle. And she received the life in her. As-tu reçu la vie? Have you received life? Have you believed? Amen. 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 C'est ce que Dieu veut voir maintenant. This is what God wants to see now. Dieu ne va pas sceller une erreur. God will not seal the error. Dieu va sceller sa parole. God will seal His word. Mais une parole crue. For a believed word. Nous insistons. And we insist. Parce que nous sommes réellement à la fin.
Because we are really at the end. J'ai envie de vous dire, I want to tell you que je suis innocent. That I am innocent. Je suis pur. And I'm pure. Amen. Amen. De votre sang. Of your blood. Je crois vous avoir tout dit. I believe I've told you everything. Amen. Amen. Ce que je devais vous dire, je l'ai déjà dit. What I had to tell you, I've already told you. Amen. La responsabilité maintenant. Responsibility de votre côté. Is of, if for you, c'est pourquoi ce soir nous allons prier. That's why this evening, je termine par cette parole, nous allons prier. And I'm saying, stopping by this word, we pray. Cherchons le Seigneur réellement. That we daily seek the Lord par la foi. Faith, que Dieu nous donne suffisamment de foi. That God give us enough faith. Et l'amour. And love. Ce sont ces deux choses, those two things, qui feront que nous soyons enlevés. Allow us to be raptured one day. Vous allez peut-être dire, you may say, penser, or to si je suis vierge folle, if I'm a foolish virgin, I will not be taken. Amen. Si je suis vierge sage, if I'm a wise virgin, je serai enlevé. I'll be, you know, removed. I will be raptured. Mais Dieu ne nous a pas créé les automates. God did not create us as automates, as robots. Amen. Amen. Dieu nous a créé avec des consciences. God created us with conscience. Pour pouvoir réfléchir. Consciousness that we can believe, we can think and discern. Amen. 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 Ce qui est bon. What is good for what is wrong. Alors, que Dieu te bénisse ce soir. God bless you tonight. Cherche la foi. Seek faith. Cherche l'amour. And seek love. Que Dieu vous bénisse richement. God bless you richly. Nous allons passer ce temps à la prière. And let us spend this time in prayer. Amen. Amen. S'il y a quelque chose qui vous retient, something that's holding your back. Amen. Amen. Demande au Seigneur de vous aider. Ask of the Lord to free you. Amen. Amen. S'il y a quelque chose qui ne va pas, if there is something that does not work, demande au Seigneur de faire que ça puisse aller. Allow it to work out. L'écriture dit, the scripture says, si ma main ou my hand, mon pied ou mon my bras foot, est pour moi une occasion de chute, my eye is an occasion of stumbling for me, il est mieux vaut pour moi d'aller couper ça, d'entrer dans le royaume de Dieu, and enter the kingdom of heaven in December. Amen. Amen. Que d'aller tout le corps entier. I'm going with all my whole body in hell. Yes. Ça veut dire que ce sont les violents. That means it's the violent, violent dans la foi, in faith, dans l'amour, in love, qui entraîne. Amen. Nous y entrons. Que Dieu bénisse. Amen. Amen.